Que s'est-il passé? Pourquoi me suis-je transformée en sirène? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oh non! Tire! Ha ha! Mon tour a réussi! Je peux bien me cacher. Salut. Allô, ma villa. Non, je suis très pressée. Allons-y. Prenons un selfie. Super. Bon, je dois y aller. Attends. Non, non, je dois vraiment y aller. Maintenant, je vais leur faire un mauvais tour. Non merci, je n'en veux pas. Eh bien, voyons ce qui va se passer maintenant. Ladybug, s'il te plaît. Juste un petit cocktail. D'accord. Qu'est-il passé? Pourquoi me suis-je transformée en sirène? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas moi, je te le jure! S'il te plaît, ne t'en va pas! Nous allons arranger ça d'une manière ou d'une autre. Vas-y, prends un sandwich. D'accord. Attends, un selfie. Non. Je dois gâcher cette nourriture. Bon appétit, Ladybug. Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux m'empoisonner? Non, non, ce n'est pas moi! S'il te plaît, ne t'en va pas! Non, c'est fini, je m'en vais! Allons nous baigner dans la piscine! Non! Oh, s'il te plaît! Bon, d'accord, allons-y. Hurra! Allons-y! Oh.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi, je te le promets. Quoi? Non, 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 ce n'est pas moi. Oui, bien sûr. Allons à la plage. Alors là, il faudrait que je fasse un trou. On va s'amuser maintenant.
parti. Après toi. Quoi? Je suis docteur. Adrien? Marinette, tu te trompes complètement.
Un rendez-vous? Comment? J'ai dit, tu vas à un rendez-vous? Tu as des jolies fleurs. Oh oui, merci. Allez, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il faut que tu aies confiance en toi. Les filles aiment les gars cool. Et toi, tu as souvent des rendez-vous? Moi? Oh oui, j'en ai tout le temps. Et ça me fatigue. Aujourd'hui, c'est la pause. Ouais? Ah, vraiment? Quoi? Merci pour le conseil. Ah, y a pas de quoi. C'est quel genre de fille? Elle est belle? La plus belle du monde. Raison de plus, tu ne dois pas rater ta chance. Sois persévérant et montre-lui tes vrais sentiments. Offre-lui des fleurs, dis-lui qu'elle est belle et que sa robe est super. Tu verras, elle va complètement perdre la tête. Et là, tu pourras l'embrasser. Tu crois? Bien sûr, et juste un visage viril. Et voilà. Comme ça? Rappelle-toi juste que tu es un beau mec. Attends, laisse-moi arranger un peu tes cheveux. Et remonte ton col. C'est bien mieux. Merci, mon ami. Enfin, je crois. Je suis Dipper. Adrien. Adrien Agreste? Oh, regarde, je vais te donner quelque chose. Tu as certainement vu ça à la télé. En résumé, tu t'en mets un peu et toutes les filles courent vers toi. Non merci. Prends-le, je te le dis. Je vois que tu es un mec génial. Ah! Mais ça pue. C'est à base d'absinthe et de tarte à la vache. Allez, ça ne fait rien. Dis-moi comment elle s'appelle. Peut-être que je la connais. Non, non, je ne sors pas encore avec elle. C'est tout à fait inutile. Oh, vas-y, crache le morceau. Ok, c'est... Non, je ne dirai pas. Allez, tu es presque comme un frère pour moi. Je viens de te rencontrer. Ça ne fait rien. Donne-moi la première lettre de son prénom. Ok, la première lettre c'est M. Mais je ne dirai rien d'autre. M signifie... Qui avons-nous avec la lettre M? Attends, tu vas aussi au 10e étage? Quoi? Il me semble que l'ascenseur est bloqué. Ne sois pas distrait, tu vas au 10e étage? Oui, et quel est le problème? Nous devons appeler le dépanneur. Il me semble que cette fille fait la même taille que moi. Eh bien, oui, on dirait. Et elle est totalement maladroite. Il y a un peu de... Tu la connais? Mais tu es assez culottée. Avec qui vas-tu avoir un rendez-vous, blondinet? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Et aussi, c'est quoi ce balai? Tu ne pouvais pas acheter un bouquet normal? Tu as dit toi-même qu'elle sera à moi quand elle verra les fleurs. Je n'ai rien dit de tel. De toute façon, enlève cette stupide coiffure. Mais qu'est-ce que tu fais? Donne-la-moi. Mais pourquoi es-tu si nerveux? Attention, je suis son frère, tu comprends? Elle a un frère? Nous sommes jumeaux. Est-ce que ça ne se voit pas? Non. Tu cherches les problèmes? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ravi de te rencontrer. Je ne savais pas qu'elle avait un frère. Mais elle ne t'a vraiment rien dit sur moi? Mais vraiment rien? Écoute, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ma sœur! Dipper, est-ce que tu peux nous aider? Au secours! Au secours! Nous sommes coincés! Un mec brutal, c'est ça. Allez! S'il vous plaît, sauvez-nous! Besoin d'aide? Je peux m'en sortir sans toi. Mais ok pour l'aide.
C'est quoi la suite, petit malin? Allant, descendant et cherchant de l'aide. Attends, une échelle là-bas. C'était un test d'attention. Allez, recule. Alors, comme ça, tu dragues ma sœur? Je viens juste de lui demander de sortir avec moi. Je n'aime pas ça du tout. Tu es un blondinet peureux. Qu'est-ce que tu peux bien faire d'autre? Tu ne me connais pas du tout. Tu ne peux même pas la protéger d'une brute. Attention! Wow! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est très haut? Ne regarde pas en bas! Mais je n'y arrive pas! Dipper, ressaisis-toi! Il faut que tu essaies d'atteindre l'échelle! Mais je n'y arrive pas! Viens plus près, je vais essayer de t'attraper! Quoi? Ne fais pas ça! Mais fais-moi confiance! Moi? Toi? Pas question! Mais tu n'as pas le choix! Il faut que tu t'accroches bien! 1, 2... Prépare-toi! 3! Aïe! Merci beaucoup, mon pote. Tu t'avères être un type formidable. D'accord pour un rendez-vous avec elle. Mais ne lui fais pas mal. Bien sûr que non. Dipper, combien de temps je t'ai attendu? Au fait, j'ai rencontré ton petit ami. Qui ça? Allez, je sais tout. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Allez, viens. Pourquoi tu fais ton timide? Embrasse ta copine! Ça ne me dérange pas! Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe ici? Adrien? Marinette, tu te trompes complètement! Marinette? Raté! Je suis désolée, les gars! Marinette, ouvre la porte! Les gars, dépêchez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer! Plus il y aura de j'aime, plus vite elle ouvrira la porte! Vous étiez sur ma chaîne! Xenia Makarova était avec vous! Au revoir! Marinette! Merci beaucoup!